Salut viewers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve donc pour l'épisode 5 de l'Odyssée de Munch, bien sûr dans la série Oddworld, vous l'avez reconnu. Eh bien on continue. Alors, que va nous dire le chaman, s'il y en a un? Chaman, où es-tu chaman? Hé hey, les gars, la fortune de Lulu grossit. C'est le moment de frapper un grand coup. Infiltrez-vous chez Magog Motors et siphonnez les mollas du PDG dans le fond de Lulu. Exécution. Donc là, vous avez eu la traduction en 16, mais moi je n'ai rien eu. Ouais, attends, je vais dire d'attendre, on sait pas ce que. Pour Munch, comment ça va se passer. Il y a des spouses partout. Allez. C'est le jeu du parcours et des spouses. C'est par là. Voilà. Ouais, ici, il y a autant de spouses, c'est pas pour. Juste pour faire joli. Ah, pour la première fois, on a donc le distributeur de boissons qui est le Stop Bobo. Ah oui, ça y est, je vois très bien de quoi il s'agit. Quand je dis que Munch était inutile, là, il est utile. On va le chercher, on va le transporter, ce sera plus rapide. Voilà. Là, ce sont d'autres sligues un peu plus dangereux à niveau arme. Non, ah oui, j'ai complètement oublié de prendre le zap. Il dure pas assez longtemps, je trouve. Hein. C'est pour ça qu'il y a un stop bobo en cas si on se fait avoir aussi. Voilà. Vous voyez comme déjà ils font mal. Voilà. Pile ce qu'il me restait de temps pour me débarrasser de ce slig. Voilà. On va reprendre du zap. Donc des fois c'est vrai, c'est des fois assez répétitif, mais bon. Ça, c'est une astuce pour aller plus rapide. Pour être plus rapide. Voilà. Là il me reste. Oh, pile un oiseau il me reste. Alors là, stop bobo va bien servir. Et je me suis déjà débarrassé des deux slits restants. Voilà, là on récupère donc notre vie. Voilà. Allez, on boit du zap. Ce qui va être chiant, ça va être avec Abe. Si vous ne maîtrisez pas encore les sauts de précision avec Abe, vous allez galérer sur ce passage. Peut-être moi aussi, je vais galérer. Ah non, 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 non. Voilà. On sait jamais, je crois que je vais. En cas si je me rate avec Abe, autant qu'il munch de l'autre côté pour le faire respawn. Ici, voilà. Bon, moi j'ai full vie. Allez, c'est parti. Voilà. On a les spouses, on va bien en avoir besoin. C'est un niveau qui peut être assez difficile. Même pour moi qui les faut au moins 3 fois ce jeu. Seulement 3 fois. Ah, vous voyez. Bah, vous pouvez encore réagir et sauter alors que vous êtes dans l'eau, alors que c'est pas possible en temps normal, mais vous pouvez sortir de l'eau. Évidemment, il y a une orbe de sécurité là-bas. Un œil de sécurité pour être plus précis.
Déjà, j'ai réussi à passer. C'est une bonne chose. Donc là, bien sûr, on va donc avoir besoin de ces Mudokons, de les guerriers Mudokons, on pourrait dire. Voilà. On a beaucoup de spouse, dis donc. Ah oui, c'est pour les transformer et attaquer. Parce qu'il y a une armée de Slick derrière la barrière où on avait vu où il y avait à peu près l'orbe de sécurité. Donc l'envoûtement ne sert à rien. Il va devoir, on va devoir donc envoyer des guerriers. Alors là, c'est de la précision. Donc une quick save pour moi. Ce que je dois faire, c'est les emmener. Aucun problème. C'est après que ça va devenir un petit souci. Il n'est pas mort, donc je peux encore tenter quelque chose. Ah non. Mudokon est mort, le karma en a pris un coup. Alors Quick Load. Mais c'est assez difficile. Voilà. Je crois pas qu'il existe un autre moyen, hein, mais. Déjà, ça marche. Voilà, quick save. Là, je suis assez hésitant là sur ce coup-ci. Ah, c'est sûr qu'il a pas survécu. Hein. Ah! C'est vrai que ce passage est assez chiant. Certains certains youtubeurs qui ont donc les youtubeurs anglais, soit ils ont pas fait ce passage. Soit bah, ils ont fait exprès de les tuer, donc les faire respawn, donc le karma n'a pas été parfait pour ce moment. Voilà. Je crois que c'est la seule solution. Voilà, on s'est pas chié. Allez, au suivant. Quick save, voilà. Voilà, j'ai pas droit de faire. J'ai pas droit au coup de la mine qui explose qu'une fois. Et oui, car je n'ai que 4 oiseaux. Voilà. Alors, comment je vais procéder pour lui? Parce que les mines sont assez resserrées. J'espère en clic. Ah. Aurais-je trouvé la solution? Je vois qu'il y a des bombes sur le côté. Je sais, déjà, je parle pas trop. Allez, on va tenter comme ça. Donc, ça fait une explosion en chaîne. Vite avant que ça repousse. Oui. Dans ce jeu, les mines repoussent. C'est assez flippant. Enfin, je crois que j'aurais dû faire ça depuis le début, en fait. Ok, ils sont là. On va les faire passer. Comme ça, on en aura 4. Voilà. Quick save, on a réussi quand même à faire passer les demi-de-cons, c'était un moment assez... Oh oh. Pourquoi c'est à chaque fois que je fais une quick save que je meurs à chaque fois? J'ai plus assez de vie pour résister à une explosion, donc... Ah, ça repousse que maintenant.
Excusez-moi, il y a une petite coupure. Ça le risque maintenant. Quoi? Ouais. Allez, vite toucher à la lumière. T'as allumé la lumière là? Ouais, mais évite de l'allumer, ça me coupe tout moi. Ouais. Bah oui, hein. J'ai toujours eu sur le PC, tout ça, oui. Même la télé. On reprend. Désolé, petite coupure, une deuxième fois d'affilée. Donc. Me dis pas qu'il fallait amener les. Je crois que si. Je suis en train de réfléchir. On va faire quand même le nettoyage, de toute façon, il faut le faire à un moment donné. Là, il n'y a qu'un slick qui peut vraiment me mettre en danger. On va s'occuper de lui. J'ai encore assez de vie. Oh oh. Bon là j'ai crevé. Une bouche qui a 10 spools utilisés. Bon, il m'en faut un que je n'ai qui a encore toute sa vie. Voilà, j'ai envie. Oh, ça va être dur. Mais je vois rien avec cette caméra. Regarde, j'ai beau tirer dessus, ça marche qu'à là. Eux, ils ont que des matraques. Oh non. C'est vraiment des bâtards ces sticks, putain. Ils ont tué Mudokon alors qu'il s'est rien passé. Oh mon dieu, il y a toujours des imprévus. Ce que je vais faire, c'est que pour qu'il n'y ait pas ce problème. Ah, et en plus, il y a un mitrailleur, ça pourrait nous servir, mais pas maintenant. Voilà. C'est bon, cette fois que j'aurai pas d'emmerde à cause de ces sligues. Allez, c'est parti. Ceux-là sont armés. Et l'autre à côté qui lui fait rien. Même les slicks peuvent boire les boissons.
que c'était pour lui à la base et pas pour nous. Ce qui est devenu de l'autre ligue. Qui est devenu de l'autre ligue. C'est bon. On va reprendre du stop Bobo, on va commencer à appeler dans la version française. Désolé de ce silence, il ne se passe absolument rien d'intéressant. C'est bon. Voilà. On a enfin fait le ménage. Ok. Cathy de l'autre côté, toi tu reviens avec moi. Ah ben c'est ce qu'on voyait de l'autre côté, d'accord, là c'était le début. Donc si vraiment c'est nécessaire, moi je mets des coupures. Parce que là il y a des passages qui sont assez longs. Voilà, en plus sur des fails. Mais bon, pour moi ça reste un bon jeu. Si j'y joue c'est que j'aime bien, c'est... je joue pas par parce que ce jeu me fait pitié. Pour certains, même on leur donnerait je sais pas combien de millions d'euros, ils joueraient pas. Alors je vais leur dire, attendez ici. Et on va prendre du stop Bobo, moi je pourrais résister à une explosion. Ah non non non, ça y est, je me rappelle. Le levier qui était à côté, venez avec moi. Là vous allez attendre ici au moins. Ils ne seront pas à descendre dès que j'ouvrirai la porte. Donc ce levier ouvre la porte. Voilà. Voilà. On va essayer de neutraliser d'assez loin. Allez. Si ça dure trop longtemps, il y aura encore des coupures. Hein. Voilà. Je contrôle enfin un stick si je peux faire le ménage.
Ouais, une distance pareille, c'est impossible de viser. Il y a le top bobo plus loin, je pourrais le reprendre. Non, trop loin, trop loin. Voilà. Ils viennent tous. Allez, allez, allez. Voilà. On va reprendre du stop bobo. Il y a encore du ménage à faire. Ok. On va aussi allumer tout seul, bien sûr. Et il vient de s'éteindre tout seul. Ventilo est possédé. Et il vient de se rallumer tout seul. Putain. Et... c'est quoi ce problème, ce ventilo? Faut fuir maintenant. Pour les amener déjà hors du... hors de la zone où l'arbre de sécurité fait son effet. Voilà. Voilà, le ménage est fait. On va pouvoir emmener... tout mumu de con. Ils auront plus de vie quand ils attraqueront donc les autres. Je crois que c'est la poussière qui a sur le bouton qui est très sensible qui... Toi tu me fais peur toi, attends. Voilà. Qui allume mon ventilo et qui n'a pas de s'éteindre là. C'est chelou. Regardez le nombre de spousses que j'ai, pourtant je crois que ça va pas me servir. Regardez-moi ça, 190. Ils sont bien capables de tomber dans l'eau alors qu'il y a... le chemin est assez large. Voilà, donc tu attends. Hop là. Hop là. Et voilà. On a trois armées donc et un mitrailleur. On a qu'un seul, c'est un peu dommage. Non, ça va, j'en ai pas oublié. Allez, c'est parti. Parce qu'il faut leur demander de bosser. Quick save. Allez, travaillez. Là, il y a beaucoup de trop. C'est mon avis, c'est juste pour faire le ménage. Ah, génial. Ah.
Moi, d'ici, je peux le faire. Voilà. C'est plus rapide et au moins, je suis sûr que je vais pas exterminer des... Bah, tuer au moins un mid-con libre. C'est le karma qui va en prendre un coup. Voilà. Allez, on continue. Le niveau était assez long, mais j'ai dû recommencer plusieurs fois des fois. Je sais pas pourquoi quelques sticks fonçaient sur moi. Normalement, c'est quand je commence à attaquer au moins un stick que ça marche. Ça, je reconnais bien. Voilà, lui aussi il vient. N'importe quoi. Je crois que ce sera plus rapide de s'auto-détruire que d'envoûter et de tirer sur le dernier qui reste. Voilà. Et voilà. Enfin, c'est terminé. Voilà. Chemin à faire. Le match n'a servi qu'à faire le ménage ici. Ah, c'est un petit dépôt de munitions ici. Ouais. Allez, tu y es presque. Oui, oui. Et voilà. Le Magog Motor. Un Sega dépouillé peut-être. Alors, je crois qu'on est dans un endroit, un dépôt, je crois. C'est bien ça. Vérifions quand même le karma si j'en avais pas oublié de base. Non, 100, il n'y en a que 8 à sauver et 116 sur 116. Donc j'ai oublié personne. League. Le PDG est parano. Il a renforcé sa protection personnelle. Et il faudrait quand même passer et sauver les scrubs par la même occasion. Voilà. Donc je crois que on va déjà ouvrir ça. Il y aura du ménage à faire grâce à Munch. Parce que là il y aura des grosses ligues. Donc pour faire le ménage, on va déjà amener Abe là où il doit être. Voilà. Là, il y a des sligues. Là, c'est bon. Voilà. Emmener ABC. Est-ce qu'ils sont armés? J'ai pas la pression. Donc, on va en prendre 4. Comme vous pouvez le voir, il y a un énorme slick derrière. C'est les Big Bros League, je crois que ça s'appelle comme ça, si je me trompe pas. Voilà. Et le deuxième. Et on va faire le ménage. Ah, lui il était armé par contre. On aura besoin de lui. Ils sont tous armés, je suppose. Voilà, ça ne sert à rien. Allez Munch, c'est à ton tour. Donc, évidemment, Ape pouvait aller en haut, nous,
Avec Munch, on peut aller qu'en bas, parce qu'il y a de l'eau. Et plein de boissons. Donc on a besoin de sauter haut. Je sais pas ce qu'elle a la caméra là, mais elle est tout en bas. Allez, c'est parti. Donc le but est d'aller sur chaque pylône et se débarrasser des sligues qu'il y a. Voilà. Vous pouvez voir, il y a des grosses sligues. Ça, ça m'énerve, ça. Avec la caméra, c'est vraiment chiant. Je vais me débarrasser au moins d'un slig. Je peux encore sauter autant activer le levier, sinon j'ai oublié. Voilà. Donc ça ouvre le chemin pour Abe, en fait. Hein. Voilà. Donc, de l'autre côté, qui amène vers la fin. Ah, c'est pas ici. Voilà. C'est où que je dois aller? Attention. Là, vous avez mal géré la caméra, les développeurs là. En plus, je suis bloqué. Oh là, ça va être une catastrophe. Allez, je veux sortir. Voilà. Évidemment, je me suis trompé de côté. Donc, c'était celui-là. On va prendre un stop bobo quand même, parce que bon, il me reste assez. Ah non, il me reste deux pylônes à faire, donc je crois pas que j'en aurai besoin. Vous avez mal géré la caméra sur ce niveau. Hein. Allez, c'est parti. Il me reste deux à mettre à l'eau. Voilà. Tu fais exprès là, allez. Génial. Vraiment génial. Me faire bugger comme ça et que je prenne des je perds des oiseaux aussi bêtement. Génial. Je n'ai pas parfait, mais bon. C'est perdre du temps vu que je viens de ramener Abe en bas. Pour un stick qui reste. Pour ceux qui se demandent si Abe et Munch meurt, c'est game over. Hein. Et si un n'a pas réanimé l'autre. Donc faites très attention à ça. Oh, ça peut être caméra. Je vous rassure, il n'y a pas, c'est pas dans tous les niveaux où il y a des problèmes de caméra. Celui-là, il n'y a que celui-là pour le moment. Et là, il m'a pas touché. Je suis habitué. Voilà. Oui, j'ai pas besoin de lui maintenant. Allez, c'est au tour d'Abe. Sinon on pouvait se servir de ça, mais ça a plus été accentué pour... enfin, cette situation c'était mieux pour Munch. Enfin, il y en a 4. Je crois qu'il y en a qui sont cachés, là, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'était l'autre sortie. Allez, quick save. On va le faire attendre ici, au moins c'est en sécurité. On va chercher les autres. Eux, ils sont à l'opposé, il n'y a pas de sortie hein, de leur côté. Juste là. Voilà. Rien ici. Je crois qu'il y en avait 8 avec eux. Je vais les ramener, je vais faire le ménage parce que... Ah, quoique si je peux passer à la fin avec Munch, avec
la boisson qui permet de sauter, très haut dans l'eau, ben, je crois que je peux réussir comme ça. Putain, toujours un qui traîne. Hein. Évidemment. Et toi, t'es bloqué, évidemment. Là, donc, ce que je vais faire, vous allez attendre ici. Bon, c'est juste à côté. Donc, j'ai besoin d'une bombe. Enfin, une bombe. Un explosif, plutôt. Ah, juste pour exploser le mur. Alors, il y en a combien? 4, 4, 8. Non, ils sont tous là. Espérons que tout se passe bien. Attendez ici. Munch lui pourra passer, à mon avis. Non, je me trompe à chaque fois. Voilà. Allez, maintenant, on va s'occuper du plus con. Et je vous laisserai là. Donc voilà. On va dire qu'on va faire deux niveaux par épisode. Hein. Je crois que ça ira. Non, c'est beaucoup trop long. Ah oui. Tant de spouces pour rien. Voilà, le glucon. Avec un système de surveillance qui marche pas. Alors combien tu as? Tu as 100 000 molars. Ouais, ben tiens, on va donner ça à Lulu. Voilà. Ce niveau était assez court quand même. Son argent, bah oui, tu n'as plus ton argent. Ah non, c'est là. Si on meurt pas de tomber quand on tombe de haut, j'ai juste besoin de ça en espérant que je vais pas me prendre une mine. Enfin, je quicksaverai juste, donc juste avant. Allez, youhou! Ouais, attention, toi. Voilà, donc voilà, et c'est bon. C'est pas occupé de toute la sécurité, mais peu importe. Et voilà. Je vous laisse avec le journal. Death River. C'est pas une rivière, ça? Une rivière morte? Ah, si. Je crois que c'est exactement ça. Mais ce sera donc au prochain épisode qu'on fera donc la rivière morte. Et il y a vraiment des choses à faire, si je me rappelle bien. Donc voilà, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce qu'on avait pensé dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis, salut viewers !